Bonjour, bienvenue sur Mathieu. Dans la partie C, on nous donne une fonction h, donc de c, l'ensemble des nombres complexes à valeur dans c, qui a petit z associé h de z est égal à z divisé par z au carré plus z plus 1. On nous demande donc de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction h. Ici, je vous rappelle que z est un nombre complexe. Donc, le domaine de définition de h. H de Z existe si et seulement si Z au carré plus Z plus 1 est différent de 0. Donc on va essayer de résoudre l'équation Z au carré plus Z plus 1 est égale à 0 pour déterminer les racines de cette équation. Alors on va calculer delta, ce qui nous donne B au carré, donc 1. Moins 4ac, c'est-à-dire moins 4, ce qui nous donne moins 3i racine carrée de 3, le tout au carré. Donc j'ai z1, solution qui est égale à moins b moins racine de delta, c'est-à-dire moins i racine carrée de 3 sur 2a. Et z2 qui est égale à moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc dh, c'est l'ensemble C, sauf z1 et z2. Très bien. Dans la deuxième question, on nous donne grand Z est égal à. Donc grand Z est égal à H de moins 1 plus I. Et on nous demande de calculer grand Z, 1 sur Z et grand Z sur 8. Et on va donner chacun de ces résultats sous la forme algébrique et sous la forme trigonométrique. Très bien. Donc grand Z est égal à H de moins 1 plus I, ce qui est égal à A moins 1 plus i, divisé par moins 1 plus i, au carré, plus moins 1 plus i, plus 1. Donc ceci nous donne que grand z est égal à moins 1 plus i. Donc moins 1 plus i au carré, ça me donne 1, moins 2i, plus i au carré, i au carré, c'est moins 1. Alors, moins 1 plus i, plus 1. Donc ceci me donne grand z est égal à moins 1 plus i. Et donc ici, j'ai le 1 qui est là. Donc ce 1 avec ce moins 1 vont s'annuler. Ce moins 1 et ce 1 vont s'annuler. Et moins 2i plus i, ça me en fait moins i. On a donc moins i. Ce qui nous donne moins 1 plus i multiplié par i, divisé par moins i multiplié par i. Alors ceci nous donne. Alors ici, j'ai moins i moins 1, divisé par i carré c'est moins 1 moins moins c'est 1. Et donc grand z est égal à moins facteur de 1 plus i. Très bien. Ceci nous donne donc l'écriture algébrique et ils veulent aussi l'écriture sous la forme trigonométrique. Donc pour ceci, je vais calculer le module de grand Z, ce qui me donne racine carré de donc la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est du fait du 2. Donc le module c'est racine carré de 2. Je vais factoriser par le module. J'aurai donc grand Z est égal à racine carré de 2, facteur 2, moins 1 sur racine carré de 2, moins i sur racine carré de 2. Ceci, je me donne que grand z est égal à racine carré de 2, facteur 2, moins racine carré de 2 sur 2, moins i racine carré de 2 sur 2. Très bien, donc pour trouver l'angle, je vois que ici j'ai du racine carré de 2 sur 2 ici, racine carré de 2 sur 2 ici. Donc c'est quelque chose pi sur 4. L'angle qu'on cherche, on va le chercher de telle sorte qu'il va être compris entre moins pi et pi. Donc, on va tracer le cercle trigonométrique, en grosso modo. Donc ici, j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 5, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. Très bien. Et là, j'ai 8 pi sur 4, ou bien 2 pi. Donc, l'angle que je cherche a pour cosinus une valeur négative et sinus une valeur négative. Donc, c'est un angle qui se trouve ici. Ok donc, pour prendre la mesure qui se trouve entre moins pi et pi, je vais prendre moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc, j'ai grand Z est égal à racine carrée de 2 cosinus de moins 3 pi sur 4 plus I sinus de moins 3 pi sur 4. Très bien. Donc, voici la forme trigonométrique de grand Z. Passons maintenant à 1 sur Z. Alors, 1 sur Z. Est égal à 1 sur racine carrée de 2 exponentielle de 2 moins i 3pi sur 4. Donc ce qui me fait 1 sur racine carrée de 2 multiplié par exponentielle de i 3pi 3pi sur 4. Très bien. Donc ceci me donne que 1 sur grand z est égal à racine carrée de 2 sur 2 multiplié par cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus de 3 pi sur 4. Donc en passant par l'écriture exponentielle de grand Z, j'ai trouvé euh, assez facilement l'écriture trigonométrique de 1 sur 1 sur Z. Donc je vais maintenant calculer l'écriture euh, sous forme algébrique de 1 sur Z. Donc 1 sur grand Z est égal à racine carré de 2 sur 2 multiplié par le cosinus de 3 pi sur 4. Donc je vais regarder plus sur 4, 2 plus sur 4, 3 plus sur 4. Son cosinus, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, j'ai ici moins racine carrée de 2 sur 2. Plus, et son sinus, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, il y a un i ici. Donc, ceci me donne euh, 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est 2. Et 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, là, j'ai moins 1 plus plus i. Donc, ça, c'est l'écriture euh, algébrique de 1 sur 2z. Passons à... Grand Z à l'absence 8. Donc grand Z à l'absence 8 est égal à racine carrée de 2 exponentielle de moins i 3pi sur 4, le tout à l'absence 8. Donc ceci me donne racine carrée de 2 à l'absence 8 multiplié par exponentielle de moins i 3 fois 8pi sur 4. Donc ceci me donne Z à l'absence 8 est égal à 8, donc c'est 2 fois 4. Donc là j'ai 2 à l'absence 4 multiplié par exponentielle de, euh, de moins i, euh, 8 sur 4 c'est 2, donc 3 fois 2, 3 fois 2pi, exponentielle de moins i, 3 fois 2pi est égale à 1, donc z à l'absence 8 est égale à 2 à l'absence de l'absence 4. Donc ceci termine la question numéro 2. Passons maintenant à la question numéro 3, c'est la dernière question de cette partie. On pose ici que OTZ est égale à exponentielle de iθ, et on nous demande de prouver que H de z conjugué est égal à H conjugué de Z qui est égal à H de H, H de Z. Donc on va d'abord, dans un premier temps, établir cette égalité. Ok? Donc H de Z conjugué est égal, à, euh, est égal à Z conjugué divisé par Z au carré conjugué plus Z conjugué plus 1. Ceci est égal à Z conjugué divisé par z au carré conjugué, c'est z conjugué au carré plus conjugué de z plus 1, ce qui me donne bien h et conjugué de z. Très bien. Donc j'ai h conjugué de z qui est égal à h z conjugué. Maintenant, vu que z petit z est égal à exponentielle de iθ, donc z conjugué est égal à exponentielle de moins iθ. Donc on va essayer de calculer. H de h, euh, On va essayer de calculer h sur le conjugué de z pour voir ce que cela donne. Donc h conjugué de z est égal à exponentielle de moins iθ divisé par exponentielle de moins iθ, donc au carré plus exponentielle de moins iθ plus 1. On va multiplier au numérateur par exponentielle de 2iθ et au dénominateur par exponentielle de 2iθ. Ok Donc ceci nous donne que h. De z conjugué est égal à exponentielle de iθ au numérateur divisé par exponentielle de 2iθ plus exponentielle de iθ plus 1, ce qui donne bien h h de z. Donc, au final, on a h de z conjugué est égal à h z conjugué qui est égal à h h de z. Et ceci termine ce problème. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Dans ma, il dit les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.